Aujourd'hui, le programme est chargé. Laissez-moi vous expliquer, on va tester le nouveau skatepark qui est à côté de chez moi. J'ai attendu 4 ans pour avoir ce skatepark, ça fait 4 ans qu'on l'attend. Bref, on va aller tester ça, mais juste avant, on va aller au skatepark de Saint-Consort, le skatepark emblématique de ma chaîne carrément. Ça fait des mois que je suis pas retourné. Regardez ça les gars, il me reste encore quelques stickers. Donc si vous me voyez un jour au skatepark, vous pouvez m'en demander, c'est gratuit. D'ailleurs, ce vlog il va être intéressant aussi pour une raison. On va rejoindre un pote à moi avec son frère. Et ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont pas fait de trot. Et j'espère mettre des dingueries aussi dans mon skatepark local. À savoir le nouveau skatepark qui est, je vous dis, très bizarre. Il est vraiment super bizarre le parc. Je pense même il y a moyen qu'il vous fasse peur. J'ai récemment changé de trotte, j'ai fait un mix un peu des pièces qui me restaient. Est-ce que vous aimez bien? En vrai, moi j'aime bien. Et je vais encore changer là bientôt, je vous tiendrai au courant, mais notez cette trotte sur 10 en commentaire s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous. Ok, bah du coup, je suis le premier arrivé. Le temps est parfait, c'est abusé, genre vraiment. On va refaire les marques sur le parc. C'était trop sketch. Ça va tranquille? Ça va? Mec, je te jure, c'est parfait, y'a pas de vent, y'a rien à dire. Charlie qui est arrivé au skatepark. Yo les gars. Viens, je dois faire des tricks avec ça. En fait, c'est juste la trotte, elle est lourde quoi. Elle est méga grande pour toi, mec. Charlie qui rate un kickless. Youhou! Faut le bloquer bien loin, frère. Oh, le streeteux. Oh, Charlie, t'as déjà lancé le bac ici? Non, j'ai pas envie de le faire. On va faire quelques clips ici pour chill. Ok, nouvel arrivant. Moi c'est Nicolas. Je crois que c'est la pire intro que t'aies jamais faite là. Nicolas Potioli frère. Ah, tu nous fais un trick là, ça fait longtemps que t'as pas fait de la trotte du tout. Oh, la roue elle pleure. Ah, ouais, vous ici ça c'est bricot de l'ombre. Ça va, tu gères? Bah je galère un peu, je vais pas te mentir. Alors, je crois que c'est... Ouais, non mais j'avais un petit doute. T'es pas discret juste. Tu fais que des vlogs maintenant. Oui. Ok. Et t'aimes bien ça? Ça marche. C'est Umbrella là-dessus, mais t'es un ouf. Oh, vas-y, essaye toi aussi Umbrella là. En fait, un concours du premier qui le met. Là, y'a le soleil dans la gueule, gros. Oh, l'excuse de fou. Oh, l'excuse. Oh, dommage. Eh, viens, fais pas peur comme ça. Lui, il est sous la rampe en vrai. Ah, fais finger flat, toi. Je suis pas fait. Oh, Charlie, filme-moi un finger flat. Ça fait peut-être un an que j'ai pas fait finger flat. T'es mauvais. Ah, c'est dégueulasse. Double heal. Oh, oh. Je suis trop fort en street. Ouais. Charlie Streeteux. Je l'ai grommé, pourquoi? Je crois qu'il a pas compris le concept de GoPro là. Je t'assure, j'ai une GoPro dans mon sac, hein, y a pas besoin. Quand tu l'as fait tomber, je te maraboute. Oh, les mains, un peu de lapin. Ah mais attends, mais y a double caméra du coup. Bref, allez. On arrête les bêtises, je vais faire de la trottinette. Non. Moi j'ai failli sortir de la rampe. Whip butter. Whip butter. Oh, vas-y. Oui, attends, mais gros, tu veux faire mon cul? Non, j'oserais pas. Ce serait pas une war first. Mec, je crois. Les gars, taguez tous un dialet dans le commentaire. Tu peux vraiment slide le deck ou pas, s'il te plaît, Nico? De toute façon, tu fais plus trop. Ah, tu veux vraiment slide le deck? Tu fais plus trop, viens là. Non, mais oh. Non, mais les gars, non, mais les gars, oh, vraiment, ça va trop loin. Ah, je peux pas avancer plus loin. Ah, non, je suis bloqué, vous. 3, 2, 1. C'est juste parce qu'il veut slider sur son deck. C'est effréné. Effrayant. Aussi. Oh ouais. T'as du vocabulaire. Un peu ouais. J'allais en cours vite faire un moment. J'ai aussi appelé. Ouais c'est... Non. Pas facile hein. Je suis pas allé en cours assez longtemps pour apprendre l'équilibre. Ouais je suis allé un peu quoi mais... Oh les gars, après on a eu une idée. On va aller chasser les chèvres. Là-bas si vous voulez il y a masse de chèvres. Du coup bah on va aller chasser les chèvres. Il y a Robin qui nous a rejoint. Ouais les gars. Petit rituel quand on est au skatepark de Saint-Consort. Regardez la vue. Les gars, on est dans le champ. Voilà la recherche des chèvres. Attends, cours pas. Attends. Oh non, mec, c'est ouf. Les gars, c'est du quoi les chèvres? Ouais, comment il va? C'est bon, on est rentré du périple. Montre la photo là. Oh là là, mec. Tiens, il me fume aussi. Ouais, de ouf. Ouais, en vrai, c'était marrant.
Oh les gars. Non mais toi, à chaque fois que j'ouvre la cam, t'es là. Moi, je suis en tête. Arrête. J'ai commandé des poignées assez spéciales et ils sont au proxy qui est juste à côté du skatepark. Donc on va aller au proxy chercher ces poignées. Et ensuite, on va faire quoi? On va aller au skatepark de Marcy, voilà. C'est bon les gars, on a mis la trotte dans la voiture. On va pouvoir maintenant y aller. C'est cette Clio bien sûr. Petit stickers mugs bien sûr. Et regardez l'état de la voiture, sérieux. Il y a combien de trottes? Il y en a 12. Les gars, on a réussi à mettre 5 trottes dans une Clio. C'est incroyable. Moi je veux travailler au black. Quand tu sors au marché et t'arrives vers un pelot, tu lui dis ouais, est-ce que je peux travailler et tout, contre de l'argent. J'ai fait ça avec Guirichière et j'ai fini dans une cave et tout. T'as pas choisi le bon endroit aussi. Ah ouais. Mais tu sais que moi j'ai la foi. C'est bon, on s'est garé. Ah, tu restes là? Restez, animez le vlog, mais dites aucune dinguerie. Eh, hey, ouais. Non, mais c'était une blague. Non, c'est gros, mais c'est pour teaser. C'est bon, les gars. Putain, en vrai, Baptiste, comment je l'aime pas, les gars. Mec, pourquoi il a des pincettes comme ça? Ça se voit, il a ramené une meuf, gros. Baptiste, il a ramené une meuf. Non, je touche pas ça. Oh, il y a deux masques. Oh, non, c'est évident. Il y en a deux. Baptiste, t'es une petite copine, les gars. Moi, j'ai la SSR 2. Non, mais c'est bien, en vrai. 40 questions, tu te rends 25 minutes. T'as 40 questions, ça veut dire t'as 40 fois pour te louper. Mais c'est long, hein. Je crois que j'ai eu 38 fautes. Ça veut dire t'as 98% de réussite. Non, de défaite. Ouais. Ah. Gros, avec mon SSR 2, je suis sûr que je peux conduire sa voiture. Oh. Testé mal, les gars. Eh, tu sais pas. On a fait trop de dingueries sur le réglage automatique. Mais gros, j'ai pas fait que. Ah, moi ça. Alors, ça, c'est des poignées qu'en gros, faut découper. Gars, laissez-moi jouer. Attends, mais tu joues à Candy Crush? Candy Crush. Candy Crush. À tes niveau combien? 6. Je l'ai installé hier soir. Donne-moi un bonbon. Il m'a filé toute la ferme. Ok, on vient d'arriver au skatepark, les gars. Ok, première partie, on a une petite courbe qui mène vers tout là-bas, une mini box qui vient vers une grosse box. Mais vous allez voir, c'est bizarre en fait. Regardez déjà comment c'est raide. En fait, le danger, c'est que si là t'atterris pas droit, là tu te prends ça, tu vois. À savoir le truc pointu, donc. Ouais, comme vous voulez le voir, je viens de prendre la box, elle est horrible. Alors attendez, nouveau lieu, cette pira. Cette pira qui est méga rêve, je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous levez la roue, sinon tu meurs. Et tac, ça fait un à-coup de ouf en fait. Et surtout les gars, le plus aberrant, quand t'atterris après le transfert, imagine tu fais un petit whip, tu ratterris comme ça, ok. Et avec full vitesse t'as ça. Je ne comprends pas le principe. Du coup tu descends et t'as une courbe qui est méga raide. Donc bon, super concept. Je pourrais vous parler de ces escaliers. Regardez-moi ce truc trop bizarre en mode. Pareil, il finit là, il commence là. Le play il se termine au milieu des escaliers. Normalement c'est au début, enfin c'est bizarre. Et là ça commence ici, enfin ça a vraiment aucun sens. Ça a aucun sens ce skatepark. Mais il est cool, mais il a aucun sens. Bon, pas assez boxé mais c'est cool. Wow. En vrai, le roi, il est gaulerie. Charlie va essayer pour la première fois le transfert, qui est horrible, hein, vraiment. Ok, première box passée. Ouais, non, allez, toujours plus. En fait, c'est pour ça que le skatepark il est bizarre, il y a plein de spots comme ça, genre qui a aucun sens. Wow. Ok les gars, autre truc, cette courbe. Est-ce que vous voyez le problème à la vidéo? C'est tellement trop raide. Ouais, ce pic de là, et eh ben on va faire des tricks dessus. On trouve des transferts comme on peut. Bah voilà.
Il y a zéro lumière pour ce tout court. C'est la pire outro de ma chaîne. Hein. Bon, les amis, c'est une fin de session, une fin de. Oh gros, t'es pas mon truc. Arrête de parler la vie de ma mère, je veux faire mon vlog. Bref, les gars, c'est une fin de vlog, une fin de journée. En sort, j'espère que vous aimez les vlogs, on filme toute la journée. Est-ce que vous avez aimé le vlog, genre? Non. Non, ça franchement. Allez, salutations tout le monde. Ouh! Ouais, bravo.